encore déduit ce que ça voulait vraiment dire. Ah c'est vrai qu'on avait les carreaux piégés, my bad. Mais je suis un sombre idiot et mon nez me gratte. Où est-ce que je suis dans le dans les couloirs du temps, je ne sais pas. On est là, la la la, la la la. C'est moi que tu traites de rat, connasse. M'a insulté, ouvertement. Je suis blessé. Mais c'est au premier étage. Ah ouais, là il y a un escalier magique. Le downstairs. Ah bah il est fermé. Quoi? Pourquoi il y a encore un mec là? C'est le problème que je me fais dans la zone quoi. C'est quoi c'est... Ah pardon, excuse-moi, attends. Ah non, il recharge. Au secours, Jeanne. Ah non, c'est pas le bon truc. Précipité ionique non plus. Azote liquide. Non. Oh la vache. Allô. Mais frère, mais y a le bordel dans la zone là. Je comprends même pas comment c'est arrivé. Non mais bon. Stop. Je sais même pas pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Si, parce qu'il me dit que mon nid s'est pété et du coup ça m'a déclaré comme... Non, je comprends pas. Ah bah oui, c'était le troisième de ce niveau, effectivement. C'est vrai que j'ai fait la remarque tout à l'heure en mode bah c'est bizarre. Mais du coup c'était... Non, c'est bizarre quand même la façon dont ils sont apparus. Parce qu'il y en avait deux dans la zone, ok, mais du coup le troisième il est apparu de façon totalement magique. Ah, ou alors... Il y en avait un dans la zone. Quand on tuait un mec, on était censé apporter la photo. Il y en avait un autre qui popait. On tuait un mec, on apportait sa photo. Il y en avait un troisième qui popait. Sauf que moi, ça a pas dû popper comme il fallait. Et du coup, l'escalier qui est là, on n'y a pas accès. Hein. Bon, il faudra qu'on regarde. On va démonter l'autre gros lard là. Donc j'ai zéro vie, donc on va essayer de le faire là-haut. Quoi? Pourquoi il y a des câbles électriques? Arrêtez, quoi? Bon, je dois y aller. Ah bon? Vous y allez déjà? Mais que vous arrive-t-il, Stranger? Il est où? C'est ça que je vais faire, mais... Encore une fois, ça c'est un truc qui est un peu mal fait, parce que du coup je suis perdu dans... Aide-moi toi? Bah non. Oh mais je suis mort. Ça n'y a rien à comprendre. Ça me fait rigoler qu'à chez quand on tombe avec la caméra, ils sont pas gérés le fait qu'on voit être pas au travers. Hein. Faut pas gérer la collision. On va essayer de la tirer dans le couloir. Non, il y a un couloir avec deux grosses tourelles là que j'ai piratées. On va faire comme pour le deuxième, on va essayer de la tirer là. Par contre, c'est vraiment dans le. Vraiment, mec. Il n'y a rien à comprendre, par contre, j'ai plus de balles. Je l'entends. Mais il est où? Oh, close! Oh, le magasin il a fermé ici! Moi je veux le gros lard là! Il est où le gros tas? Au secours, Jeanne! Olé! Ouais, bah nickel, nickel, nickel. J'ai rien compris à ma vie, j'avais pas de soin. Par contre, je crois que j'ai mis pas mal de dégâts. Hein.
Je suis en train de regarder sur, sur mon retour. J'ai pas bien vu sa barre de vie. Mais je crois qu'il a goûté. Sur le premier, ça l'a déglingué. Hein. Le deuxième plutôt. Le deuxième, ça l'avait. Il avait. Et là, il avait mangé. Hein. Est-ce qu'une arbalète, c'est utile de... Bon, non. Pas contre un tas de ferraille. Un tas de chair, pourquoi pas, mais ça. Il a plus de travail. Pardon, je voulais pas toucher ta magnificence. Aïe! C'est honteux! Je viens de débrouiller. Ok. Hop. Bon, voilà, on aura fait les trois de la zone. Pote, il y a un endroit où on pouvait choper de la dent. Enfin, dépenser notre dent. Merci, monsieur. Merci. Par contre, ça me perturbe le fait qu'elle ait toujours une grosse voix comme ça, là. Je peux prendre l'argent. Portefeuille déjà plein. Pardon, c'est quoi ces conneries? Permettez-moi de le dire, mais... Par contre, pourquoi je... Ah non, il est pas accompagné celui-ci. J'allais dire, il y a quand même pas un autre. Non, là voilà, là on a sauvé les trois. Bon, on n'a pas trouvé le commentaire du réalisateur. Bon, ça. Ça encore. Je pourrais aller checker, il était sur internet, mais. J'avais pas récupéré ça. Ouais, mais alors là, c'est juste pour crafter des balles en fait. Là. Revenez quand vous aurez de l'argent, l'ami. Ça se résume à on est à Walpé. Hop, on a récupéré la tunasse. Bon, moi je le laisse, hein. j'ai plus de balles, en plus on a plus de tourelles. Donc on va pas tenter d'aller faire des choses. Par contre, du coup, comment est-ce qu'on fait là? C'est une tragédie. Dawnstair. Mauritem. Bah oui, Mauritem. Bah donne-moi les Mauritem. Par contre, c'est totalement buggé. Ah non, c'était là. Pardon. Pardon, mais que faisiez-vous ici? Bah ouais, Mauritem, mais du coup, non, pas Mauritem. Bah je sais pas comment est-ce qu'on ouvre ça. C'est une tragédie. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à continuer. D'ailleurs, je m'aperçois qu'on n'a plus d'objectif réel. Quel est notre objectif actuellement? Ah d'accord, on n'a plus d'objectif. Ah mais oui, parce que du coup, on va aller avoir Ryan. Donc théoriquement, c'est que c'est bon maintenant. Par contre, la porte qui se ferme derrière moi, je trouve ça vraiment impoli. J'irai me plaindre à la direction. Exactement, j'étais en train de réfléchir. Notch life. Oh, regardez. Direction chez Ryan. On va déglinguer Ryan. Who is Ryan? Héphaïstos. Drôle de nom ça. C'est qu'il se prenait vraiment pour un dieu hein, ce tocard. Tout si c'est pas là qu'il est. C'est sûr, les types des labos de Ryan font tout pour empêcher le piratage, mais ça veut pas dire qu'on va pas pirater. Pablo Navarro. Ce que tu dis est à un certain sens. Surtout sous l'effet d'alcool et de drogue. Sauvegarde un coup. Métro de Rapture et Héphaïstos, nickel. New zone. Oh là. Oh. Oh, waouh. Ça a l'air d'être une belle ligne droite comparée aux zones. Elle a l'air. Comment dire. Rapture, novembre, 5 novembre 1946. La vision d'un homme, Mikeins, Salvation. Comme ça, j'avais pas tout à traduire.
et descendez cette ordure, je vous prie. Il est temps d'en finir. T'inquiète. On va en finir journaux. Cohen a perdu la main. Si vous l'aviez connu quand il croyait encore à la lutte, au travail, il moisit aujourd'hui dans ce pays de cocagne en attendant que quelqu'un vienne lui dire qu'il a encore du... Waouh, ah oui, à côté des... Je suppose que c'est pour cela qu'il vous a laissé la vie sauve. À côté d'un volcan. Waouh, la zone... Tu sens que là, c'est le méchant, hein. Là, tu vois, c'est le patron. On va le démonter en personne. Je vais les soulever. Comme jamais. Ok, il y a des tonneaux explosifs. Bonsoir, c'est la dame de ménage. Je vais pouvoir nettoyer tous les connards dans votre genre. Allez, quoi. C'est d'économiser mes balles en fait. Mais j'étais un peu nappe. J'ai fait un peu nimp. Je m'embrouille des fois dans ce que je fais. Vous le sentez, n'est-ce pas, Andrew Ryan? Ryan, je sais où est-ce que tu te caches. Oh, ça fait... Le gars, je le fais passer par toutes les étapes aussi. Ah! Non, je suis pas sur le bon! Non! J'étais sur le feu et en plus ça, je me suis piqué. Regardes-tu des animés ou lis-tu des mangas? Alors des mangas, j'en ai lu quelques-uns. Mais j'avoue que je regarde plus des animés. Je me suis rechargé pour rien là, d'accord. Moi je suis plus animé. Je... Ah merde, les tonneaux explosifs à côté, et évidemment. Tac, on va pirater ça. On va pirater pour aller par là. Ah oui, d'accord, j'ai l'impression que la vie me baise. J'ai rien pour y aller. Hein. J'ai l'impression que c'est intentinément compliqué cette histoire. Si je m'en sors pas, quitte à la femme à Vincent que je l'aimais. C'était peine perdue. Hein. Tac, on va reprendre ça. Gâte-toi la crème. Manu. Adieu. J'adore regarder des gens se faire démonter. Plus qu'un plaisir, une passion. Genotech, j'en ai pas besoin. J'ai récupéré de l'eau distillée, d'accord. Ah, un cadeau. C'est bien, non? Quoi? Qui parle? Qui entends-je? Que vois-je? Oh! C'est elle qui m'a donné ça? Elle est gentille, la madame? Quoi? Non, je le sens pas. Ah, et le chat qui gratte à la porte. C'est vrai, le chat soulève la porte.
J'ai passé l'après-midi à essayer de me rapprocher de la porte de Ryan sans me donner en spectacle. Mais il est sacrément bien protégé. C'est impossible d'entrer là-dedans. Tout ce que j'ai obtenu, c'est le regard effrayant des chromosomes de Ryan. C'est la récompense qui vous attend si vous essayez d'être plus malin que le meilleur ingénieur électricien de sa génération. J'ai rien écouté, ça tombe bien, j'en avais rien à péter. Bon, ça se trouve c'était peut-être intéressant, mais... Mais voilà quoi. Ok. Quoi? Quelle insolence. En vrai, on a des piratages automatiques hein, qui n'utilisent jamais. C'est vrai que je pourrais les utiliser peut-être un jour. En même temps, ça m'éclate tellement de faire ce mini-jeu. C'est faux. Tic 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 tac tac. Ah ouais, mais là il m'a carrément biaisé là. Tiens hop, auto-piratage. On a de la thunasse. Et ici on peut crafter des choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se crafter? Pas grand chose, hop, on se casse. Alors, ça apporte quoi déjà Ouais, non, ça n'a pas besoin. L'office of Andrew Ryan. On n'a rien loupé derrière, on est d'accord? Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Oh, c'est mignon. Et vois le visage de Dieu. Regardez autour de vous. Totalement fou, hein. C'est un vrai congrès de vers de terre ici. Ils avaient tous des parents, des proches qui les aimaient. Ils étaient mariés. Ils baisaient leurs épouses. Pourquoi pensez-vous que vous êtes différent? Je n'ai pas encore décidé où je vous accrocherai. Dites-moi si vous avez une préférence. Dites-moi. Il n'est pas un peu taré. J'ai dû me taper ce singe immonde pendant 3 semaines. Mais il a enfin parlé, et je sais comment arriver à Andrew Ryan. Il faut provoquer une surcharge sympathique dans le noyau harmonique numéro 3. C'est simple. Mais je n'ai pas la moindre idée de ce qu'est une surcharge sympathique. Et encore moins ce noyau harmonique numéro 3. Ça doit être facile pour un ingénieur. Moi, je dessine des mesures pour pas. Dommage. Il faut que je retourne voir les mécanos au centre de contrôle de perte thermique pour voir ce que je peux en tirer. Tant de parasites ont essayé de profiter de ce qui n'était pas à eux. Je pourrais vous expliquer la science qui rend impossible ce que vous essayez de faire, mais ce serait comme de jouer du Mozart à un crapaud. Ok. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite? Ça fait des bruits étranges. C'est une prison, littéralement. Où est ma part? L'homme crée, le parasite s'interroge. Que vont penser les voisins? L'homme invente, le parasite déclare. Attention, vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu. Ah, c'est ouvert. Quelle est la différence entre l'homme et le parasite? Ah mince. Je remets l'enregistrement, je croyais qu'il y en avait eu un autre entre temps. Où est ma part? L'homme crée, le parasite s'interroge. Que vont penser les voisins? L'homme invente, le parasite déclare. Attention, vous risquez de marcher sur les pieds de Dieu. Pas d'agouté. Mais non, il n'a pas rechargé. Oh merde. J'ai vraiment pris la pire arme pour viser quoi. J'ai vraiment vu des balles. J'étais en train de regarder le coin de mon écran. J'étais en mode. Là, il y a des balles. J'ai pas vu que c'était de l'osgrasse. Il faudrait que je prenne l'amélioration pour éviter de prendre les dégâts. Bon, moi, ça en est sorti. C'est pas où déjà. Par là-bas. Je prendrai votre pierre tombale pour paver ces rues. Ok. Munition performante, je prends
Chevrotine, il ne reste pas beaucoup de balles. Non, non. On va prendre ça du coup. Non, pas beaucoup de balles, mais comparé au reste, toujours un peu plus. C'est cool le week-end, je pourrais regarder les lives jusqu'à la fin. Bah du coup maintenant que t'as amené les cours, effectivement. Beaucoup plus pratique. Ça, je peux comprendre. Tu as le droit maintenant. Alors d'ailleurs, demain soir, je ne suis pas là. Exceptionnellement. Demain soir, je ne suis pas là. Alors, par contre... je suis pas allé voir quelque chose. J'ai pas vu en fait que c'était la suite, mais en fait c'était logique finalement. C'était derrière la statue, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Est-ce que ça va être aussi simple du coup de tuer Ryan? Non. D'accord, en fait je crois que ça a été fait exprès pour qu'on puisse pas y aller. Ça ne pouvait pas être aussi simple. On va aller lui péter sa tronche, j'ai hâte. Je me dis bien qu'il y avait un truc ici. Oh, il y a aussi des choses là. Tiens, des fois, tu loupes des choses, mais vraiment... Héphaïstos, corps, le cœur d'Héphaïstos. N'écoutez pas les mensonges d'Atlas et de ses parasites. Rapture est en plein essor. D'accord. Donc vraiment Atlas c'est pour le bien mais finalement Ryan l'empêche évidemment. Effectivement le cœur des Faistos. Ah oui d'accord. C'est de là d'où ils produisent l'énergie et tout en fait, c'est avec les volcans. Ah merde. Oh damn it. J'ai envie de crever. Ah. Au secours. Jeanne. Non, m'attrape pas! Arrête! Je peux disparaître pour s'ouvrir. Au secours! Ah, je vais crever! Non! Oh là 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 là, regardez ce gameplay de professionnel. Il me reste très exactement 0 de vie. Je suis un truand. Non mais c'est ça aussi. Un gameplay de professionnel. Alors on croit que je me suis repris de vie. J'ai vu tant de choses atroces. Et j'en ai fait de bien plus terribles encore. Merci de me rappeler. Mais c'est là, rien à me donner. Un peu de lumière dans ce monde. Je t'envoie une petite sœur pour t'aider en chemin. Après des jardins des glaneuses, il va vraiment falloir qu'on y aille parce qu'on a plusieurs trésors à récupérer. Mais je sais plus ce que c'est les trésors des glaneuses. On a accès aux autres maps? Jardin des glaneuses. Ah mais c'est ça. Et ici il y en a pas. Ah oui d'accord, ce symbole là avec la gamine affreuse. J'ai l'impression qu'elle a été adoptée par la MDR. Bonsoir. Ce serait pour un retrait à la banque. Ah pardon, excuse-moi. Non, j'ai oublié que j'avais plus de balles et plus de vie. Mais pourquoi il recharge deux fois? J'ai plus rien. J'ai besoin de vie. Ok, ça c'est bon. Oh, oh, des balles et des choses. Oh, je suis tant de sauvegarde. Que Fontaine n'ait pas été incommodé par sa propre chute. On va rechecker. Qu'est-ce qu'on a ici? 24 cœurs piégés. Hop, on les écoute. Les pris d'assaut, les fameuses barricades. Les morts pourrissent dans les rues et tous les citoyens font la queue pour on avoir de balles. Tout est bon pour repousser la foule. On va équiper. Une dernière grenade infrarouge. Il nous reste de l'azote. Et là, j'ai dit les carreaux piégés que je voulais. Oh non!
pourquoi il y a une alerte? J'ai terriblement plus de vie, hein. Vous savez qu'on est en guerre, les gars. Si vous assurez pas correctement la maintenance des protecteurs, consomme autant d'armes pour vie. Que les entraîneuses du jardin d'œufs consomment de pénicilline. J'ai les gorilles d'Atlas sur le dos sans arrêt, et deux mécanos sont morts cette semaine. Il faut qu'on arrive à contrôler les coups. Si je voulais avoir affaire à des amateurs, je serais resté à terre. Mon but étant d'aller là-bas. Donc on va d'abord aller foutre par là-bas. On va aller fouiller la petite extension qui est par ici. On peut en plus. Ça se trouve, on va y être amené à un moment donné. Mais au moins, on aura déjà clean la zone, il n'y aura plus qu'à aller vers le point. C'est un avantage. Quelconque. Ah, il y a une gamine à faire. Ah, alors attends. Si, il y a un vilain à côté. Oh, du napalm. Et puis, voilà. Ah, du napalm. Je veux napalmer mes gâteaux. Je sais pas pourquoi il réagit. On va tous se mettre. Par contre, j'ai plus de vie en plein de temps. Vraiment plus de vie, et à mon avis. C'est fini tout. Non! Le robot qui me. Non! Mais le robot! Mais le robot! Il devait être un allié. Il a finalement été. Tiens, poids. Oh non, le robot. Oh la tragédie. Tiens, hop. T'es cheese. Mais elle a mangé tes gars, toi. Mais gros. Ah ouais, parce que je pensais que j'avais des balles antipersonnelles, c'était des balles perf. Je comprenais pas. Tout s'explique. Quoi? Meurs, en fait. Allez, je suis en PLS 2. Et l'autre gros, il est où? On va aller voir. Il n'y a rien dans l'angle. Oh, il y a des tourelles! Quel abruti! Je les ai pas vus au dernier moment, alors pourtant ils étaient doués. Ah, mais attends, parce qu'en vrai. Il y a des tourelles, on pourrait essayer de le geler. Contrôler les tourelles, on les pirate et on le laisse se faire déglinguer. Ainsi il a dit personne, tu crèves, tu le fermes. Alors on va essayer de faire un truc un peu dangereux, je le reconnais. Non! Ah! Putain, je ne comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je tombe à terre et je. Rire, il est que zéro. Ah, c'était un effet. Pas en fait que ça me le fait. J'ai réussi à pirater une toile. Par contre, je suis embrêlé les pattes. Ah, c'est trop chiant. Il est dans une zone. Pourtant, qui peut nous être utile, mais il faut qu'on arrive à avoir les toiles. Alors là, il y en a une. On a piraté, donc en théorie il va prendre des damage, après il va avoir pété normalement cette tourelle là. Donc on va revenir. Ah,
Allez. Ah, c'est pas possible de recharger comme ça tout le temps. C'est n'importe quoi. Ah d'accord, il a échangé les balles pour d'autres. Bon, au pire, oui, on approche. Là, c'est trop galère en fait. Et j'ai pas de grosses munitions pour lui arriver à faire des dégâts, genre dans ce roquette ou ce genre de choses là. Là, on a plus rien. Là, on a. Oh, on a du napalm. J'en avais acheté 75, mais je pensais pas en avoir autant. Bah, attendez, normalement, en lui cramant la gueule, ça va aller vite. Hein. Il a fait des trucs non catholiques. C'est combien de fois le cheval là depuis le début? C'est une véritable daube à taper, hein. C'est le pire que j'ai pu faire depuis le début, hein. Et le premier que j'ai tapé, il était pas aussi catastrophique que ça. Là, j'enchaîne les morts face à lui, c'est insane. Et il m'a fait bégayer, j'ai pas compris ce qu'il a branlé avec le mur là. What the fuck? J'en ai marre. Je prends une arme, il n'y a plus de balles. Non, non, non. Bon, au moins on a réussi. Ah, mais en vrai, tout ça c'était pour donner un petit spectacle pour éviter que ça aille trop vite. Par contre, j'ai beaucoup d'adam, j'aimerais bien m'upgrader là, à un moment donné. Furie là. Quoi? Ah, bah oui, on en a fait une au tout début. J'allais dire qu'on sait qu'on en a déjà fait deux, mais en fait, non, on en a fait une au tout début. Du coup, il en restera une à un moment donné. Non, quoi? Dis-là. Ok. Hop, c'est ça que je voulais. Non, c'est pas ça. Quoi? Là. Ok. On remonte comme ça. Je mets ça là. Et là, j'aimerais avoir un truc que je n'ai pas. Et là, parfait. Ok. Oh là là, la régalade, il y a des trucs et tout. On va recharger après, on va regarder un peu tout ce qu'on a. Des balles. J'ai rien pour en faire. Ça, je veux bien. Qui ose me parler comme ça? Qui ose toucher à mon ego? Qui a osé m'appeler petit ange? Ça va mal aller. Mais non, mais c'est quoi ça? Mais. Frère! Attends, mais c'est une turbine. Mais on peut pas passer là-dedans, je crois. Attends, on peut faire un truc avec ça? C'est de l'arnaque, hein. Alors, j'ai pas entendu l'alarme s'activer, mais elle doit être activée à côté. On est deux fois qu'il m'a pranké en mettant un truc devant. Je comprends pas ça, c'est trop bizarre. Donc ici, on a ça. Ah, et bah, tu vois. Ah! Finalement, je suis au meilleur endroit. Hein. Ah non! Non! Je me suis cru tellement protégé, je me suis fait satelliser. J'ai fait malin. Je suis tombé dans le ravin d'à côté. Dans le patelin d'à côté, même. Ah, je crois pas que... Non, quoi? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que vous foutez ici, madame?
Mais j'ai déjà plus de vie. Au secours. Jean. On n'avait pas fini avec cette zone en plus. Hein. Ouah, elle m'a fait peur. Je me demandais qu'est-ce qui en sortait. Un cadavre, bien évidemment. C'est logique dans un placard comme celui-ci. Ça, c'est la meilleure technique quand t'aimes pas un de tes collègues. Hop, tu le fous dans le placard. Puni. Australia Day 1959. Si. C'est pas fort. Non, bah voilà. Plus de vie, mais c'est pas grave. On croit que la vie a plein de dents quand même. On va aller voir en bas. Les chromosomes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espèce envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, c'est ce que je crois. Si je me trompe, une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison, il faut que j'ai raison. L'appareil est presque terminé. Je ne peux pas me laisser aller maintenant. Je ne dois pas. Je suis très étonné que Fontaine n'ait pas été incommodé par sa propre chute. Le soir du Nouvel An, ces misérables chromosomes ont envahi les maisons et pris d'assaut les fameuses barricades. Les bonsoir, j'aimerais que c'était là-dessous. Et tous les citoyens font je demande gentiment pour voir. Tout est bon pour repousser la foule. Et là, voilà, une... Poudération. Ah là, waouh, la porte de conduit dissimulée. Waouh, alors ça, si j'en ai pas loupé avant. J'ai trouvé ce qui bloquait les canalisations. Et tu devineras jamais d'où ça venait. Du marché champêtre à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Ouh, quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. 0152. Quoi? 0152. J'ai trouvé ce qui bloquait les canalisations. Et tu devineras jamais d'où ça venait. Bon bas. Du marché champêtre à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Ouh, quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. Ouais, d'accord, je suis complètement con en fait. Hein. 0512. Non mais. Aidez-moi. 0512. Attends, mais quand même. Ma vie va être remise en question là. Je suis à ce point là débile ou ça se passe comment? Je ne sais pas c'était par rapport à quoi. Mince. Waouh. Wow. Code du marché. 0512. Bloquer les canalisations. Et tu devineras jamais d'où ça venait. Ah non mais du c'est marché ça. Marché champêtre à l'autre bout de Rapture. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Mais quel merdier. En tout cas, si t'as besoin de revenir ici pour la maintenance, le code est 0512. I don't understand. Sauvez-moi de cette folie. Pourquoi ça fonctionne pas? Oh! Je ne comprends pas. N'imaginez la volonté qu'il m'a fallu pour bâtir un tel endroit. Et vous, qu'avez-vous bâti? Rien! Vous ne savez que piller. Je vais aller voir sur internet, ça me paraît bizarre comme ça. Vous n'êtes pas un homme. Je suis pas sûr de ce qu'il est en train de dire là. Termite à Versailles. Carrément, termite à Versailles. T'as tout le monde en moitié en train de crever ici, mais tout va bien. Mais 0512, c'est même écrit noir sur blanc, blanc sur noir, rouge sur vert. Ça ne va pas. On me ment. Oh, une porte dérobée. Tu vois? Oh là là. Je vais manger. Bah écoute, bon appétit alors.
Ah, il y a un appareil là, bobine de film doré. Oh. Là, on a un truc, ouais. On peut pas. Ça se trouve, c'était pour plus tard en fait, la zone, vraiment. Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit. Et une demi-boîte de précipité ionique. C'est ce qui fait détonner le mélange. Ça devra activer le mode compensation du noyau, faire baisser la puissance sur la ligne et déclencher le coupe-circuit de la porte de Ryan. Enfin, en théorie. Ah ouais. Soit ça marchera comme sur des roulettes, soit la moitié de rapture y passera. Il ne risque rien. Quel rêve insensé. Il y avait une sorte d'arbre fruitier qui tournait comme une poupille en versant du jus dans la gorge de Ryan. Et le jus étouffait cette ordure. Ce n'était pas vraiment un arbre, mais le noyau de contrôle. La machine qui alimente les serrures magnétiques de la porte de Ryan. On ne peut pas couper le courant. Il vient directement des cheminées volcaniques. Ryan a toujours du jus. Mais j'imagine qu'on pourrait noyer cette ordure. D'accord, je comprends mieux maintenant certaines choses. On a vu à des endroits des grosses bonbonnes jaunes avec écrit justement précipité ionique ou une connerie genre là. En fait, ça sert à faire l'énorme bombe qui nous permettra de faire péter la porte, la court-circuiter comme il se doit. Moi, je vais juste aller voir le code du coup. Est-ce que là, ça me fait perturber, ça me fait triper de savoir que ça fonctionne pas correctement. Ah merde, attends. Faut que je fasse un truc avec ça là. Faut pas se fixer sur un autre objectif là. Chaque fois il m'indique ça. Saluez-les de ma part. Moi, je tire ma réponse. Tiens. Ah ouais. Il va falloir qu'on refouille les zones là. Bien. Oh non, il y a un gros là-haut. Oh mon dieu. Encore. Et j'ai plus de balles moi. Après, on peut y aller avec la molette. On va le molester. J'aurais voulu avoir le code de cette zone là, bureau de Keybirds. Ah mais ça se trouve. Ah attends, je suis en train de calculer un truc. Ça c'est bureau de Keybirds, mais en fait ça c'est le code du marché. Ce qui bloquait les canalisations et tu devineras jamais d'où ça venait. Je comprends. Du marché. En fait, il y a des codes qu'on a en fait dans certaines zones, il y avait besoin d'un code. J'ai réparé et j'ai mis des joints neufs. Et en fait, les codes se trouvaient pas dans les zones où on était mais pouvaient se trouver du coup plus tard et ça à mon avis, de souvenir, il y avait une porte qu'on pouvait pas ouvrir que j'ai pas ouverte. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a le code et maintenant il va falloir y retourner pour ouvrir la porte. Je vois tout à fait c'est quelle porte. Si, si, non, mais je vois quelle porte c'est. D'accord. Waouh. Ok. Je viens de comprendre le sens de ma vie. C'est bon. Je vais aller me repentir. Il y a vraiment besoin de le démonter. Je calcule. On en a fait 2. Il y en avait un mort ici. Normalement, il y en a un mort plus loin qu'on peut récupérer. Et normalement, il en reste un en vie. On a, en vrai, on va récupérer des trucs assez intéressants. Parce qu'en vrai, avec ça, on peut lui faire très mal. Hein. Non, en vrai, avec ça, on lui fait mal. Du coup. Flip! Je l'avais dit, hein. Ça fait trop dégâts ce truc là. C'est surpuissant. C'est vraiment une surpuissance de fou quoi. J'adore cette arme. Quand t'as les grenades frag, mon frère, c'est vraiment, mec, t'es un dieu. Faut dire ce qui est. Ce qui est.
qui est, c'est que c'est archi pété. Et mon portable me dit qu'il meurt. Hop, chargé. Quelle boîte tu te chauffes? Une boîte sapin, je suppose. Ok. Nice. Oh là là, oh là là, l'enchaînement. Ah. Soudain, la tragédie. Non, c'est bon. On est bien. Oh, rien, on a des balles là. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Tac. J'adore la clé à molette comme. Soutien là, comme aide. Vous m'avez compris. Non, c'est qu'à contraire, allez voir un document. Bah écoutez, ça me paraît pas trop mal. Oh, il y a un petit cadeau là. Ah, Yamine, là tu fais des choses bizarres sur moi là. Oh, alléluia, on en a 800 frère. Amélioration de santé. Amélioration d'Eve. Je veux. Ouais, c'est des améliorations qu'il faudrait. Emplacement plasmide. Lancer des objets. Nous, ça on l'avait déjà vu. Ah merde, j'espère que ça me les a passés par contre. J'adore ce qui se passe. Créer un leurre, nanana. Ouais. Réduire la vitesse des flux lors de piratage. Pourquoi pas. Ah oui, on a le combo à viser 2, mais du coup, on a déjà le 3. C'est assez marrant ça. Expert en alarme. Il faudrait vraiment que j'aille revoir un génie machin. Vous subissez moins de dégâts de feu, vous infligez plus lorsque vous utilisez le feu. Alors là, le problème, c'est que je suis plus sûr de ce que j'ai, de ce que j'ai pas. Incinération 2. D'accord. Arc électrique 2. Ah, mais d'accord, on a des améliorations de ce qu'on a déjà de base. Ça, c'est classe. J'avais même pas fait gaffe. On en découvre tous les jours. Ah bah non, merde, j'ai acheté le premier, je suis trop con, j'avais déjà le deuxième. Je crois que c'était une amélioration aussi. Bah en vrai, c'est pas trop mal. Oh là là, une amélioration juste derrière. Une immunité aux dégâts lance-grenades. En vrai, ça pourrait être classe, ça. En vrai, ça peut être classe, parce que ça peut nous aider à... Elle tire vraiment corps à corps sans avoir trop de galères, de problèmes. Une arme améliorée. Ah, on a dû terminer l'amélioration de l'arme au complet. En vrai, on est pas mal, mais après, il faudrait qu'on trouve un. Gêné machin, un gêné killer. Une meurtrière? C'est drôle. Je crois que j'aurais pu m'en sortir. Oublié avec les plasmides. Je croyais à cet endroit. J'avais foi en Ryan. Mais quand les choses se sont gâtées, Ryan a cessé de croire en Rapture. Cette grande chaîne dont il parlait. Il a cru au pouvoir. Maintenant, c'est le chaos. Eh oui. La fille est partie. Pire encore, c'est une de ces choses. Suis-je vraiment une meurtrière? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Tuer tout le monde? Merde. Ah ah, trop drôle mon moment. Ah, gêné bon, tiens. On va regarder un peu tout ce qu'on a. Du coup, on a la charge et l'incinération x2. Ça, les créatures touchées seront attaquées par les caméras et les tourelles. Bah ouais, je pense pas l'utiliser, pourtant c'est pété, tu vois. Un gardien vous protège plus pendant plus longtemps. Non, là, c'est un mirage.
On a le gardien 2. Télékinésie, moi j'arrive pas à trop avoir l'utilité. Protège plus longtemps. En vrai, le vrai, c'est mieux, je pense. Et là, on a un emplacement vide. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé d'Eve et de santé d'Eve plutôt. Restore les gens plus à santé. Ça en a la version plus. Ça, pourquoi pas. Les tourelles mettent plus de temps à vous repérer. Frappez avec votre clé anglaise plus vite. Vous récupérez un peu de santé et d'Eve lorsque vous infligez des dégâts avec votre clé. L'utilisation des trous de soins restaure plus de santé. Pourquoi pas. Et ça, ça fait quoi? Les passe-mines disent moins d'Eve. Ouais. Ok. Ça, c'est pas mal. Réduit la vitesse des flux lors du piratage. Réduit la durée des alarmes et des caméras. Réduit considérablement le prix. Réduit la difficulté du piratage des coffres. Ok. Une plaque d'alarme et de surcharge en moins lors des piratages. Il y en a quoi d'autre là-dedans? Deux plaques d'alarme en moins lors des piratages. Ah, c'est intéressant ça quand même. Parce que là, c'est une alarme et une surcharge, mais du coup deux alarmes en moins. Moi je préfère. C'est quand même plus pratique. Subissez moins de dégâts de feu, vous infligez plus lorsque vous utilisez le feu, donc ça on avait vu. Subissez moins de dégâts de froid et vous pouvez geler vos ennemis quand vous les frappez avec la clé anglaise, donc c'est ce qu'on avait vu. Dégâts infligés avec la clé anglaise augmentée. Et mettez une surcharge électrique si vous êtes touché, donc ça c'est bien. Réduit tous les dégâts physiques. En vrai, ça c'est déjà pas mal, je trouve. Ah, par contre, on a la version 2. Ouais, on a la version 2. Donc ça, c'est cool. J'ai même pas vu, tu vois. Heureusement que je regarde. Bonus de dégâts conféré par la recherche moyen. Recherche attribuée pour les photos. Ouais. Non, bah on va laisser comme ça. Et bah écoutez, c'est pas mal, franchement. Je trouve ça vraiment pas trop mal. On a un peu plus de surcharge, mais la surcharge encore, je trouve pas ça. Enfin, des fois, c'est un peu relou. Ah, bah là, par exemple, là, ouais, c'est carrément relou finalement. Hop, plus de peur que de mal. Ok, là, on va faire ça. What the fuck, frère? Ouf. Eh, franchement, on n'en aurait pas eu. Ah, j'aurais pleuré. J'aime pas si c'est utile de les pirater réellement dans cette zone-là. Mais si jamais on est attaqué ou quoi, on peut amener l'ennemi par là. Alors là, c'est un peu relou. Ce que tu me proposes n'est pas avantageux du tout. Là. Ok. Ça ici, ça là et là. Ok. Est-ce que ça fait comme nos évolutions? C'est-à-dire que si jamais je charge ça, je crois pas. Ça remet dans mon chargeur et du coup je peux récupérer. Non. Par contre, remets du coup ça, les grenades frag parce que c'est extrêmement pété. Tout est Raptuscore. On peut pas appeler l'ascenseur. C'est offline comme c'est écrit, hors service. Bon bah c'est parti pour la 5ème guerre mondiale, là je suis armé jusqu'aux dents. Ça fait du bien de pouvoir dire ça à nouveau. Et là du coup il faut qu'on refouille un peu les zones pour trouver du coup tout ce qu'on a besoin. Tiens, regardez, hop. On en a une en plus. En vrai,
on n'est pas obligé de tuer. Et normalement, je crois qu'on peut récupérer le dernier sur celui qu'on a tué plus loin. Il faudrait juste retourner un peu en arrière. Tiens, je me doutais. Ah non, elle a... Non, il y a une gamine avec. Il y avait une gamine avec. C'était la dernière de la zone en fait. Elle était là. C'est vrai la façon de T-pop. Parce que du coup ils sont pas là directement. C'est dès que t'en as tué un, il y en a un autre qui arrive. Du coup ça fait assez bizarre. T'as l'impression que t'as clean la zone puis en fait non. Tu m'as sauvé la vie. En vrai on est pas mal là. Surcharger le noyau. Terminer la bombe IEM. Placer. Ouais il y a beaucoup de choses. On a terminé du coup là. Est-ce qu'on a tout fait réellement? Là, on a le code, mais on l'a pas, du bureau de Keybirds. Nous, ce qu'on voulait surcharger, c'était cet endroit-là, cette porte-là. Et là, il y a l'accès au noyau, mais on n'y a pas accès. Ok. Donc maintenant, on va suivre la flèche, on va retourner voir la bombe machin. Je sais pas si on, normalement on peut la construire et faire. Et on va surcharger le cœur. Ça allait beaucoup plus vite que ce que je pensais finalement. Qu'est-ce que c'est? Ok. C'est plutôt cool. On va retourner. On va aller faire péter cette bombe atomique IBM là. Objectif va t'implacer les câbles de la. Ah, on n'a pas. Ah, vous n'avez pas les éléments nécessaires. D'accord, on n'a pas terminé tout le temps. Je vous obéis même ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas faire. Mais c'est quoi le code? Non mais attends, il faut vraiment le code. Ah, je comprends rien. Attends, on a eu le code de ce truc-là? Le boîtier est prêt. J'ai une charge de nitroglycérine dans mon bureau qui servira de catalyseur. Maintenant, il me faut 4 embouts de câble R34 pour neutraliser le circuit. On n'a pas son code. Ah oui, d'accord, c'est mon bureau. C'est ce qui fait détonner. Quel rêve insensé. Il y avait une sorte d'arbre fruitier qui tournait comme une poupée en versant du jus dans la gorge de Ryan. Et le jus étouffait cette ordure. Ce n'est pas... Les chromosomes de Ryan sont en train d'emmener la jeune femme. Je suis sûr que c'est une espionne envoyée par Ryan pour me surveiller. Enfin, tragédie. C'est ce que je crois. Si je me trompe, une innocente finira en trophée sur les murs de Ryan. Si j'ai raison... Attends, je regarde un peu raison. Voir les différentes... L'appareil est presque... Il y a pas de code. J'ai essayé de me rapprocher de la porte de Ryan sans me donner en spectacle. Mais il est sacrément bien protégé. C'est impossible d'entrer là-dedans. Tout ce que j'ai obtenu... C'est comment est-ce que j'obtiens le code de Ryan. C'est la récompense qui vous attend si vous essayez d'être plus malin que le meilleur ingénieur électricien de sa génération. Non. J'ai envie de pleurer, j'ai pas le code. À l'aide. Il me le donne pas là dans les objectifs. Il n'a pas besoin de surcharge de nitroglycérine. Keybirds le garde sous clé dans son bureau. Mais quel est. Quel est le code? Attendez, on va checker vite fait. Il y en a beaucoup, hein. On va pas se rendre la tête. J'en ai aucune idée. Keybirds.
Ce qui me le donne pas. Et alors là, en plus, le problème, c'est que quand tu repliques sur 1, tu peux plus revenir en arrière. Je suis très étonné que Fontaine n'ait pas été incommodé par sa propre chute. Le soir du Nouvel An, ces misérables Crozo m'ont envahi les maisons et pris d'assaut les fameux. Le boîtier est prêt. J'ai... Ah, comme ça, d'accord. Ouah, c'est bizarre. Ah, ou alors maintenant qu'on peut-être. Ryan... Ah non, est-ce que c'est du coup. Trouvez ce qui bloquait les canalisations et tu devineras jamais d'où ça vient. 0512. Bah non, est-ce que ça se passe sur le bureau ça. Je suis très. J'en ai déjà ici. Et il faut appuyer sur retour. J'ai dû me taper ce singe immonde. Ah, y'a rien. Je sais Ryan pas ce que. Ryan a Fontaine Futuristics. Maintenant tout lui appartient. Il dit que c'est pour le bien de la ville qu'il liquidera la société en temps voulu. J'ai démissionné du conseil et envoyé une lettre de protestation, mais c'est comme si je pissais dans un violon. Je pense qu'une guerre. Non. Moi ? On l'a une pas. Une meurtrière ? Alors attendez. Je regarde ce qu'il c'est était. Drôle. Je crois que j'aurais pu m'en sortir. Oublié avec les plasmides. Je croyais à cet endroit. J'avais foi en Ryan. Mais quand les choses se sont gâtées, Ryan a cessé de croire en Rapture. À cette grande chaîne dont il parlait. Je comprends pas. Cru au pouvoir. Il indique un endroit que j'ai déjà fouillé. Est-ce que je serais libre ? Ma fille. Ou alors c'est sur un enregistrement que j'ai pas encore regardé ? Par au-dessus. Pire encore, c'est une de ces choses. Suis-je vraiment une meurtrière ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ça serait là. On a récupéré un truc ici. Ou alors peut-être avec la madame qui était là-bas. I don't understand. J'aurais voulu voir. Voilà, c'est sûr que j'ai l'enregistrement puis j'ai pas capté. Sur le bureau. Bah, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai point d'idée. Bon, on a le code, mais parle de bureau. En fait, il dit de se charger des deux toiles puis de récupérer l'enregistrement sur le bureau. Mais je ne comprends pas. Ou alors, c'est pas ici.